Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir à 18h30, on se retrouve pour la première édition d'information de la soirée sur où la voici les principaux. Demain, c'est le 8 mars, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la femme. À cette occasion, nous dresserons des profils de femmes qui se distinguent chacune dans son domaine d'action. Coup de projecteur ce soir sur une géologue d'exception qui exhume les secrets de la vie sur Terre. Et puis cette année, les célébrations du 8 mars mettent en avant le précieux apport de la femme à l'innovation et nouvelles technologies, dont domaine dans lequel évolue Safa Boubia, une jeune entrepreneur qui a réussi à lancer sa propre agence sur le web. L'hôpital militaire de campagne déployé à Wawizard dans la province d'Azilal sur haute instruction royale continue d'assurer ses prestations de santé aux populations des zones montagneuses touchées par le froid et les chutes de neige. Depuis son déploiement en novembre dernier, 52 000 prestations médicales ont été prodiguées. Demain, c'est le 8 mars, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la femme. Le gouvernement est déterminé à renforcer et à soutenir dans l'immédiat et dans l'avenir la majorité des programmes destinés aux femmes. C'est ce qu'a affirmé le chef du gouvernement, intervenant à l'ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement. Saad El Othmani a fait part de son estime à l'égard de la femme marocaine qui a fait preuve au fil des siècles des compétences dans les différents domaines, notamment sur les plans culturels et scientifiques. Le chef du gouvernement a abordé un certain nombre de lois tant attendues au vu de leur importance pour les femmes, en citant à titre d'exemple le projet de loi sur les terres collectives sous les liettes, récemment approuvé par le gouvernement et qui donne aux femmes pour la première fois et après un siècle d'attente le droit de bénéficier de ce type de terres. Au début de ses travaux, le Conseil a suivi un exposé de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement Durable, chargé du Développement Durable, sur l'exemplarité de l'administration en matière de développement durable. Le Conseil a approuvé un projet de loi ainsi que deux projets de décret. Nous célébrons donc vendredi 8 mars la Journée internationale de la femme. Une série de reportages et de portraits vous seront proposés à cette occasion dans nos différentes éditions d'information. L'occasion de dresser un état des lieux sur la promotion des droits de la femme et les acquis réalisés. Nous dresserons des profils de femmes qui se distinguent chacune dans son domaine d'action. Ce soir, coup de projecteur sur une géologue d'exception. Son dynamisme et sa passion pour les sciences, notamment pour la géologie, font de Fouzia Hissen une chercheur invétéré. Un amour inconditionnel et un contact permanent avec le sol sont révélés dès ses premières années d'études. Avide de connaissances scientifiques, elle exhume les secrets de la vie sur Terre. Son portrait avec Sarah Gadir. Native de Qsar al-Kbir, Fouzia Hissen est professeure de géologie à la faculté des sciences Bemsik à Casablanca. Elle joue un rôle important dans la compréhension de l'histoire géologique du pays. Et c'est lors de ses études universitaires à Tétouan que s'est déclaré son amour pour la géologie. Un amour qu'elle essaie de transmettre au quotidien à ses étudiants. Un autre grand projet dans le RIF avec des universités françaises. Donc on essaie de développer la recherche, on essaie d'impliquer les étudiants, on essaie de faire avancer la géologie du Maroc et faire avancer la recherche. Pour notre géologue, le contact avec la nature est primordial et chaque mois, elle sort sur le terrain pour des missions d'une semaine à 10 jours pour scruter les roches dans différentes régions du Maroc. J'aime le contact de la nature. Moi, j'adore être sur le terrain. C'est pas quelqu'un, ça me pose pas de problème d'aller sur le terrain et de dormir dans des conditions qui ne sont pas bien, de ne pas prendre une douche, de ne pas manger convenablement. Ça me pose pas de problème parce que j'aime la nature. Maman de deux enfants, Fouzia Hissen concilie parfaitement sa vie professionnelle et vie familiale. Mais l'amour des roches n'est jamais loin et toutes les occasions sont propices pour en parler, même quand elle aide ses enfants à faire leurs devoirs. Cette année, les célébrations du 8 mars mettent en avant le précieux apport de la femme à l'innovation et nouvelles technologies, un secteur dans lequel la jeune féminine souhaite tout aussi percer et achever une parité. C'est le domaine dans lequel évolue Safa Boubia, une jeune entrepreneur qui a réussi à lancer sa propre agence spécialisée dans le web et les technologies de l'information. Le projet se porte très bien depuis sa création il y a de cela 8 ans. Une expertise qui épouse parfaitement le leadership au féminin. Iman Ablou, Yassine Mourafiq et Youssef Mziani sont allés à sa rencontre à Casablanca.
Elle ne jure que par les IT, les technologies de l'information. Depuis 2011, Safa Boubia évolue à la tête de cette start-up spécialisée dans le web, le e-commerce et l'intelligence artificielle. Bref, dans tout ce qui est en train de changer le monde aujourd'hui. Je suis de formation en management international. Donc après avoir passé déjà au Maroc après le bac, j'ai poursuivi mes études à Toulouse. J'ai été à l'Institut d'administration des entreprises. Et au bout de 3 ans, j'ai obtenu mon master. Et voilà, après ça, je suis rentrée au Maroc où même j'ai été dans des expériences qui n'ont rien à voir avec le digital. Regard éveillé, contact facile, Safa veille sur tout. Avec ses collaborateurs, ses geeks du développement web, elle est à l'affût des nouveautés et s'ouvre sur des horizons élargis. 90% de sa clientèle est étrangère, un marché exigeant auquel la jeune entrepreneur s'adapte avec aisance. La plupart de nos clients sont étrangers. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas un marché au Maroc, mais c'est que nous sommes positionnés dans des technologies qui s'adressent à de gros clients qui sont basés à l'étranger. Une expérience fertile que Safa aiguise au fil du temps. Un apprentissage de tous les jours dont le point d'orgue n'est autre qu'une immersion au berceau de la révolution digitale, la Silicon Valley en Californie. Un séjour de 5 semaines aux côtés d'autres Marocaines partageant la même passion pour le tout numérique. L'idée est de tisser des réseaux solides et servir de mentor aux jeunes qui caressent le même rêve. J'étais au cœur de l'innovation et de la technologie. Nous avons beaucoup de choses à faire. Je ne parle pas de compétences, je ne parle pas de législation, je parle de culture. Même de, par exemple, l'égalité entre hommes et femmes, l'inclusion et augmenter encore plus le nombre de femmes dans le métier du web. Et ça se passe comment? En les incitant dès le lycée à s'intéresser au métier du web, à avoir de, intégrer les écoles d'ingénierie. La création de cette agence web est une affaire de famille. C'est aux côtés de son frère Youssef que le projet s'est mis en marche. Ils construisent tout ensemble en s'amusant, nous confie-t-il. Youssef est aussi un digital native, 15 ans d'expérience en France, qu'il met au profit de leur jeune entreprise, au sein de laquelle Safa a tout d'une bonne manager, d'une leader. Elle est très active comme personne, créative aussi. Mais même avec ça, elle arrive à avoir une position carrée de manager dans la société. C'est-à-dire, pour moi, c'est mon bras droit. Et c'est même avant mon bras, c'est un autre mot, en fait. Si on disait qu'il y aurait un clone, ça serait un peu elle, parce que elle arrive à apprendre très rapidement, en fait. Elle évolue et propose des nouvelles solutions. Donc maintenant, si vous voulez, la société tourne pas autour de moi, tourne autour de l'équipe. Et Safa, elle fait partie, c'est vraiment presque la moitié de l'équipe à elle toute seule. Les deux associés sont l'exemple d'une belle parité, car parfaitement convaincus que l'égalité du genre passe aussi et à coup sûr par les nouvelles technologies et l'innovation, un chemin que femmes et hommes empruntent côte à côte. Et puis les femmes exerçant dans des domaines liés à la technologie et à l'innovation se font de plus en plus nombreuses. Plus de 2500 femmes arabes actives dans ce secteur sont regroupées au sein de l'Arab Women in Computing, qui compte 17 sections, dont une section marocaine. Encourager les jeunes filles à s'orienter vers les disciplines techniques et technologiques est l'objectif que se fixe d'ailleurs la 6e édition de la conférence internationale pour les femmes arabes en informatique qui s'est ouverte aujourd'hui à Rabat. Ce sont des femmes du monde arabe. Elles ont en partage la passion de l'informatique et des technologies de l'information. Elles en ont même fait leur spécialité dans le domaine académique, dans l'entreprise ou encore dans l'industrie. Aujourd'hui, elles se réunissent en conclave dans le cadre de la 6e édition de la Conférence internationale pour les femmes arabes en informatique. L'idée est de renforcer la visibilité de la femme dans ces disciplines. Je suis vraiment pour, parce que ça permet aux femmes de se regrouper, de se connaître, d'avoir un réseau de communication entre elles, de pouvoir travailler ensemble, pouvoir superviser les étudiants, avoir une capacité de pousser les femmes en avant dans le monde des sciences, et en particulier dans tout ce qui est digital.
cette rencontre vise à inciter les jeunes filles à opter pour les disciplines techniques et technologiques et à les accompagner dans ce cheminement. Car souvent, nombre d'entre elles finissent par bifurquer vers d'autres horizons. En tant que professeur à l'école Mohamedia des ingénieurs, quand je rentre en salle de cours, je veux dire qu'on doit être à peu près à 30 ou 35% de femmes ou de filles qui sont dans nos cours en informatique. Ce qui est sincèrement un très bon chiffre par rapport à d'autres pays, on va dire, plus avancés ou en tout cas plus riches que nous. La problématique, elle se pose beaucoup plus dans une deuxième phase parce que ces femmes, très souvent, une fois diplômées, on ne les retrouve plus. Elles vont changer, elles vont travailler dans d'autres secteurs que le secteur de l'informatique. Cet événement qui cible les femmes actives dans les domaines de la technologie et de l'innovation est l'occasion de discuter de l'état des lieux de cette discipline, de créer des liens avec l'écosystème technologique mondial et de contribuer à l'amélioration de la coopération et du networking au niveau national, régional et international. Nous entamons l'actualité internationale par le Proche-Orient. Un adolescent palestinien a été tué hier soir par un tir israélien lors d'affrontements à la frontière de la bande Gaza. Il s'agit d'un garçon âgé de 15 ans, mort des suites de ses blessures. Un porte-parole de l'armée israélienne indiquait que l'armée avait riposté lorsque des centaines d'émeutiers avaient lancé des pierres et des engins explosifs contre ses troupes. Les forces israéliennes ont démoli tôt ce matin en Cisjordanie donc la maison d'un palestinien supposé accusé d'être impliqué dans deux attaques anti-israélienne. En Algérie, avocats et journalistes ont manifesté aujourd'hui à Alger contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika à la veille d'un troisième vendredi de protestation nationale pour lequel la mobilisation s'annonce forte. Les avocats sont parvenus à franchir au prix de quelques bousculades mais sans heurts plusieurs cordons de police pour parvenir jusque devant le Conseil constitutionnel qui étudie depuis le 4 mars 21 dossiers de candidature déposés dans les délais légaux dont celui de Bouteflika. Le Conseil doit statuer sur les candidatures avant le 14 mars. Les manifestations sont quasi quotidiennes à Alger depuis le début de la contestation massive le 22 février. Attentat à la voiture piégée près du palais présidentiel dans le centre de Mogadiscio. 4 personnes ont été tuées, 9 autres blessées. Il s'agit de l'explosion d'une voiture bourrée d'explosifs. Elle était garée près d'un restaurant le long de la route, a déclaré un responsable de la police. Le restaurant est proche d'un barrage de sécurité situé près du théâtre national. Selon des sources sécuritaires, l'attentat a été revendiqué par les Chebeb affiliés à Al-Qaïda qui ont l'habitude de mener ce genre d'opérations dans la capitale somalienne. Et puis la lune de miel semble belle et bien terminée entre Trump et Kim Jong-un. Le président américain a prévenu qu'il serait très très déçu s'il se confirmait que la Corée du Nord avait entrepris de reconstruire un site de lancement de fusée, laissant craindre un cercle vicieux après l'échec du récent sommet de Hanoï. Des experts américains ont rapporté sur la base d'images prises par satellite des signes d'activité sur le site nord-coréen. Ces informations interviennent en tout cas à un moment extrêmement délicat. Donald Trump et Kim Jong-un ont fait mine de se séparer bons amis au Vietnam, mais aucune nouvelle rencontre entre leurs négociateurs n'a été fixée. Et on prend la direction du Venezuela à présent. Juan Guaido, autoproclamé président par intérim du Venezuela, a appelé l'Europe à intensifier ses sanctions financières à l'égard du régime de Nicolas Maduro au lendemain de l'expulsion de l'ambassadeur d'Allemagne pour ingérence. Il a vivement condamné la décision prise la veille par le président Maduro d'expulser l'ambassadeur d'Allemagne à Caracas, demandant à ce dernier de rester au Venezuela. L'Union européenne espère que l'expulsion de l'ambassadeur allemand sera réexaminée. Nous regrettons cette décision alors que l'Union européenne a été attentive au maintien de lignes de communication avec toutes les parties impliquées, y compris le gouvernement de Maduro, a déclaré la porte-parole de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Retour chez nous, l'hôpital militaire de campagne déployé à Wawizart dans la province d'Azilal sur haute instruction royale continue d'assurer ses prestations de santé aux populations des zones montagneuses touchées par le froid
et la chute des neiges. Depuis son déploiement le 27 novembre dernier, donc l'hôpital militaire de campagne médico-chirurgicale installé à Wawizart a prodigué 52 000 prestations médicales. Reportage Omar Jlaidi, pardon, sur un commentaire de Mounia Marouche. Dans ce massif montagneux du Haut Atlas, le thermomètre affiche des températures très basses. Elles atteignent parfois 2 degrés, surtout la nuit. En plus des affections liées au froid, les patients présentent d'autres pathologies prises en charge par le staff médical de l'hôpital de campagne. Mon fils est asthmatique, le personnel médical l'a pris en charge, il nous a remis des médicaments, tout se passe bien. Je souffre de maux de tête très intenses. Je viens d'être vu par un médecin qui m'a prescrit un traitement. Je suis rassurée. Des consultations, mais également des actes chirurgicaux qui portent sur plusieurs spécialités. Au total, la caravane médicale a réalisé 490 interventions chirurgicales dans diverses disciplines. Nous avons pu voir en consultation plus que 39 000 patients. Ayant bénéficié d'environ 52 000 prestations médicales réparties sur différentes spécialités. Les spécialités ayant connu le plus d'afflux étant la pédiatrie avec plus de 4 000 consultations, l'ophtalmologie, 3500 consultations, l'otorhinolaryngologie avec 2800 consultations et la gynéco-obstétrique avec 2800 consultations. Depuis son déploiement le 27 novembre dernier jusqu'à ce jour, l'hôpital médico-chirurgical de campagne a réalisé 52 000 prestations médicales au profit de 39 000 patients. On parle emploi à présent, rencontre régionale sur l'emploi et la formation à Casablanca Stat dans le cadre des rencontres régionales préparatoires de la rencontre nationale sur l'emploi et la formation. Ceci a permis d'ailleurs d'examiner les résultats des ateliers thématiques portant sur le potentiel en poste d'emploi, les mécanismes de formation, les outils de médiation et les outils de l'entreprise dans la région Casablanca Stat. Sarah Ketir. Après plusieurs régions du Royaume, c'est au tour de Casablanca Stat d'accueillir cette rencontre dédiée à l'emploi et à la formation et dont l'objectif est double. Lancer un programme d'appui à l'intégration économique des jeunes et adapter les stratégies d'emploi aux besoins régionaux. La région a en fait aujourd'hui décidé de faire le point par rapport à la situation, par rapport au potentiel, tout d'abord de création d'emplois au niveau de la région, mais également d'amener vers plus d'adéquation entre notre système de formation et notre système de création d'emplois. Ces rencontres sont axées sur un programme pour l'insertion professionnelle des jeunes et comprenant 3 axes, dont notamment la création d'espaces d'emploi proposant des formations qualifiantes et la promotion de l'auto-emploi à travers la création d'entreprises. Notre pays a des capacités, il a des ressources humaines, il a des talents. Il faut voir comment nous pouvons, avec les industriels, préparer nos jeunes, les habiliter au niveau qualification, mais aussi au niveau comportement, pour être partie prenante dans ce monde qui se transforme. Issue de la coopération avec la Banque mondiale, ces rencontres de l'emploi à Casablanca se sont déroulées en 4 ateliers concernant la formation, l'employabilité et le potentiel entrepreneuriat. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info 20h30. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Imane Ablou. Une bonne fête, mesdames, et à bientôt.